Dusasir, ordre de Nani, Rwanda. Ordre de Nani, Rwanda. Ordre de Nani, Rwanda. So bo yugina na zuri sura de lobi lobi na na kusubuda ko bo ci sai da za ya kai da lobi. C'était un Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de militants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur-là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais, est un Rwandais, est un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ces Rwandais à Kigali, à Kigali, à Kigali. Là, ce n'est pas ici son chef de ce fameux gouverneur. I know that for many it's hard to accept, but I'd like to sincerely pay tribute to Joseph Kabila, President of the Republic. Today, we should no longer consider him as an adversary, but more as a partner in the democratic change in power in our country. Voilà. Bonjour, bonjour, très chers compatriotes. Bonjour à vous. Voilà. C'est fait.
Attendez, je vais baisser un peu le volume. On rebaisse un peu. Voilà. Je pense que c'est bon. Bon. Bonjour à vous, très chers compatriotes. Merci d'être là encore une fois. C'est dimanche 10 janvier 2021. Merci à vous. Je vous demanderai également de partager la vidéo. Et si possible, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube Willy Lokassa. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'avez pas encore fait à mon compte YouTube Willy Lokassa. Comme ça, nous allons commencer également à faire des émissions sur ces comptes-là. Comme vous le savez, YouTube a changé ses conditions. Donc il faut minimum pour commencer à avoir 1000 abonnés, pour commencer à passer en direct. Minimum, il faut avoir 1000 abonnés et puis, je crois, 4000 vues. 4000 vues dans l'ensemble de vos vidéos. Et là, vous commencerez à passer en direct. Sinon, vous n'avez qu'à vous abonner et booster ses comptes. Rapidement, je vais vous saluer. Firo Nieme, bonjour. Omeonga Monke, bonjour à vous. Alors là, je vois que vous êtes seulement deux ici. Merci de me suivre là, merci, très chers compatriotes. Mais voici encore une fois aujourd'hui pour essayer de partager, réfléchir à haute voix ensemble avec vous par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc, ce n'est plus un secret que notre pays va très mal. Depuis plus de deux décennies maintenant, notre pays va très très mal. Non seulement par les convoitises de nos ennemis, mais également partons à cause de nous-mêmes, ce que nous appelons le fils du pays. À cause de nous-mêmes, quand on voit ce qui se passe actuellement, on comprend très bien qu'avant d'accuser les autres, il faut d'abord commencer par nous accuser nous-mêmes. Nous sommes, si pas des co-responsables, mais nous sommes des responsables, je dis bien des responsables de la situation qui prévaut dans notre pays depuis actuellement deux décennies. Alors, c'est donc cette raison qui fait en sorte que nous puissions venir chaque dimanche ici devant vous pour essayer, vous qui aimez suivre la politique du pays, vous qui intéressez à ce qui se passe au pays, pour également vous faire part de nos réflexions, comment sortir de cette situation qui malheureusement dure déjà, comme je viens de le dire ici, depuis plus de deux décennies. Bon, la durée, on peut comprendre, mais ce qui est difficile ici, très chers compatriotes, c'est les dégâts que cela occasionne dans notre pays. Les dégâts en termes de en termes humains, le dégât en termes économiques et surtout pour le futur, notre futur et le futur de nos enfants. Donc, vous vous en conviendrez, très chers compatriotes, que c'est notre pays, chacun de vous ici présent. Vous pouvez être beau, vous pouvez vous retrouver en Europe, aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas moi où vous êtes, mais nous n'avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Donc il nous appartient, même si certains ont déjà changé d'autres nationalités, sont français, américains, suisses, canadiens, que sais-je encore, mais nous n'avons que ce pays-là.
Je pense que ce qui vous pousse à continuer à suivre ce qui se passe au Congo et surtout ce qui vous pousse à vous inquiéter encore davantage, c'est l'amour de ce pays, qui est l'amour que chacun de nous ici présents a envers ce pays-là. C'est ça qui est le leitmotiv ici, qui fait en sorte qu'on se retrouve tous les dimanches ici ou bien dans d'autres plateformes de la diaspora. Encore une fois, merci très chers compatriotes. Je voudrais d'abord vous dire ce que nous allons aborder ce soir. Quels sont les sujets que j'ai prévu d'aborder avec vous? Vous avez appris par le truchement de médias, l'entrée ou bien le rapport du groupe d'experts de l'ONU affirmant la présence des militaires rwandais et burundais sur le territoire national. Hormis la surprise ou bien l'étonnement que cela a provoqué chez chacun d'entre vous, mais ce qui est encore ici choquant, c'est les silences des autorités de notre pays. Kinshasa, jusqu'à présent, reste silencieux. Président de la République ne pipe un mot. Personne ne dit quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, j'ai suivi le démenti des autorités rwandaises. Comme toujours, vous le savez très bien, jamais le Rwanda ou bien les autorités rwandaises confirmé les accusations. Ils ont toujours démenti. Jamais, depuis que Paul Kagame est arrivé au pouvoir, jamais vous avez entendu quelque part Paul Kagame venir à la presse confirmer évidemment les accusations auxquelles on lui reproche tout ça. Non, lui, il l'a toujours démenti. Donc c'est là, c'est pas nouveau et c'est là, ne nous étonne pas. Par contre, ce qui nous étonne, c'est l'absence de déclaration du côté de nos autorités. C'est ça qui est vraiment étonnant en ce qui nous concerne, nous. Nous tenterons, très chers compatriotes, de comprendre cette situation, d'élucider et puis de voir. Y a-t-il des complicités ici entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Nous tenterons naturellement d'apporter quelques réponses ici. Deuxième question, bien sujet prévu d'aborder avec vous encore une fois. Aujourd'hui, c'est la grâce présidentielle accordée au colonel Eddy Capin. Et nous avons vu que notre pays a touché le fond. Le ministre ou bien le vice-ministre de la Justice, qui est membre de l'UDPS en passant, qui a profité de la grâce présidentielle pour libérer également quelques personnes arrêtées lors du procès de 100 jours. En l'occurrence ici, le DG de l'OVD, c'est-à-dire Benjamin Winga, et le DG, je crois, de SOCOC, Modeste Makabuza. Tous deux ont été libérés ensemble avec Monsieur et Capin Guédi, alors que eux, ils venaient tout simplement juste il n'y a pas longtemps d'être incarcérés à la suite du procès des 100 jours. Nous tenterons également de chercher à savoir, y a-t-il eu une bourde de la part du ministre, ou bien le ministre a tenté ici tout simplement de soustraire à la justice les deux criminels économiques, en l'occurrence ici, M. Wenga et M. Makabuza. Quel était l'intérêt du vice-ministre de soustraire à la justice ces deux compatriotes? Et troisième sujet, très chers compatriotes, si nous avons toujours le temps, nous parlerons également des dernières élections en Centrafrique et surtout les enjeux.
hein, les dernières élections en Centrafrique, les enjeux par rapport à notre pays. Comme vous le savez, la Centrafrique, c'est un pays limitrophe, c'est un pays voisin. Donc ce qui se passe dans ce pays-là nous concerne également de très près, parce que si la Centrafrique est, comment dirais-je, dans une situation de guerre, vous êtes d'accord avec moi que les Centrafricains vont plus traverser la rivière ou bien le fleuve là-bas pour chercher refuge dans notre pays. Donc, ce n'est pas rien la situation. Nous avons intérêt ici que le calme règne dans ce pays, surtout en ce qui concerne le passé que nous connaissons tous. L'est du pays a été, déstabilisé. L'est du pays a été déstabilisé depuis les génocides rwandais. Et avec l'afflux de réfugiés rwandais qui, en masse, est venu renflouer et le territoire de l'est du pays, depuis tout ce temps-là, nous connaissons ce que nous connaissons, des tueries, des viols, ainsi de suite. Et le réfugié rwandais dans notre territoire donne toujours comme prétexte à Paul Kagame, le président rwandais, de faire des incursions sur notre territoire. Et la dernière en date, c'est ce que je viens de vous parler ici, que le rapport des experts des Nations Unies a notamment dévoilé dernièrement. Nous tenterons également de parler des divers par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé mercredi dernier aux États-Unis, c'est-à-dire l'occupation du Capitole par le partisan de Donald Trump. Et nous tenterons toujours de faire des liens par rapport à notre pays. Merci très chers compatriotes d'être là, partager la vidéo. Je profite pour la dernière fois de vous rappeler de vous abonner à mon compte YouTube. Pour certains qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous sur mon compte Willy Lokassa. Et prochainement, une fois que nous aurons suffisamment d'abonnés, nous commencerons à faire des émissions sur YouTube. Et naturellement, j'ai besoin de vous pour vous abonner. Parce que je pense que sur YouTube, c'est mieux parce que l'émission peut être là et puis rester pendant un temps certain et être suivi par un grand nombre de personnes, notamment également au Congo. Par contre, sur Facebook, ici, il faudra être soit ami avec moi ou soit, comme je partage là, ceux qui ont la possibilité de suivre ça en direct maintenant, le suivent eux-mêmes. Naturellement, le but ici, c'est que le message passe. Voilà ce que je tenais avant toute chose de partager avec vous. Bon. Vous avez suivi, très chers compatriotes, l'émission « Esalama na Frangala ». Bolandaki Nangaï ensemble. Le rapport. Il y a un groupe d'experts, il y a ONU, OYO, bah, publié un mot dernièrement, faisant allusion, il y a présence, il y a un militaire rwandais sur le territoire national. Comme Naouti Koyeb Sabino Awa, aujourd'hui, les autorités rwandaises ont démenti cela. Par contre, ce qui est grave, Ezali, absence, il y a réaction du côté, il y a autorité, il y a mort à la Bissau. Hein? Pendant ce temps-là, la controverse, enfle et au pays et dans la diaspora. Mais silence radio du côté du président de la République ou tout simplement du côté des autorités, que ce soit militaire ou bien civil. Personne cherche à éclaircir ou à démentir quoi que ce soit. Nous comprenons, il n'y a rien à démentir parce que un groupe d'experts rwanda avant de publier, genre il y a un rapport OYO, ils ont suffisamment de preuves. Si vous essayez de démentir, Routier Labino, preuve, Licolo Yamessa, et ça serait très difficile pour vous de démentir cela. Mais nous savons la stratégie rwandais. La stratégie à Paul Kagame a toujours consisté de nier tout ce qui m'a reproché à Baye. Jamais dans l'histoire, l'histoire récente, je vais dire ici,
Hein, il y a Paul Kagame et ses hommes, jamais bah, confirmant bah, accusation eux, bah, porter bah, sur bah, moi. Jamais. Ils ont toujours démenti. Alors, lorsque j'ai entendu démenti, moi, ça m'a confirmé. J'ai dit, voilà, c'était vrai. Parce que la moindre des choses, une rose à la gare, qui est, et Bati Galaran a la déclaration au Paul Kagame à Salaki, en disant que la relation entre le Rwanda et la RDC est en parfaite santé, et nous ne pouvons être sur ces territoires sans l'autorisation et avoir autorité en Mbokawana. Je pense qu'il était très clair en le disant que si et seulement si notre armée, comme vous le dites, est dans le territoire congolais, donc nous sommes là-bas parce que les autorités ont donné leur quitus. Alors, ce n'est pas à nous, Botuna Biso, Botuna Autorité, Yamboka. Je vais rapidement à vous lire déclaration, bien violation, Yamboka, il y a la sanction. Parce qu'on considère étant que ici que le Rwanda a violé la sanction des Nations Unies en se retrouvant dans le territoire national. L'armée rwandaise n'est pas la seule à opérer chez son voisin congolais. Le Burundi a également mené des incursions dans les territoires des Fizi et d'Uvira au sud Kivu entre novembre 2019, Félix Tshisekedi était déjà président de la République, et juillet 2020, selon l'ONU toujours. Comme pour le Rwanda, le rapport du groupe d'experts rappelle que la présence de forces armées étrangères en République démocratique du Congo constitue une violation du régime des sanctions en vertu de la résolution 1807 des Nations Unies. En avril, le chef d'état-major de l'armée congolaise avait également dénoncé... J'avais oublié de faire quelque chose, permettez-moi, parce que je vais quand même respecter... l'heure ici. Je disais, en avril, le chef d'état-major de l'armée congolaise avait également dénoncé trois interventions des forces de défense burundaises. Cependant, la situation est en passe de se régulariser, puisqu'en octobre 2020, le gouvernement du Burundi et de la République démocratique du Congo ont convenu d'établir un protocole d'accord sur le renforcement et le maintien de la paix et de la sécurité le long de leurs frontières communes. Le flou des autorités congolaises. Le dernier rapport des experts de l'ONU mentionnant la présence d'armées étrangères a fortement choqué en RDC, notamment à propos du Rwanda. Il faut dire que la relation entre le Congo et son voisin rwandais est particulièrement sensible. Nombreux sont les politiques et les membres de la société civile qui dénoncent régulièrement l'ingérence rwandaise à l'Est. Le plus radicaux parle même d'une volonté de balkanisation de Dekivu par Kigali. Les accusations fusent également contre Kigali, accusé de profiter des minerais de l'Est de la RDC à son profit. Au-delà du ressentiment à l'encontre du Rwanda, c'est le flou entretenu par les autorités congolaises sur ces incursions sur ces incursions étrangères qui choquent. La question étant de savoir si Kinshasa a autorisé ou non ces opérations. Le président congolais Félix Tshisekedi n'a jamais confirmé avoir passé d'accord avec Kigali. Pourtant, les relations se sont nettement réchauffées entre les deux pays voisins depuis l'arrivée à la présidence de ces derniers. Le nouveau chef de l'État, en quête de légitimité et des soutiens régionaux, s'était rapproché de Paul Kagame et avait affirmé vouloir instaurer une plus grande coopération militaire entre les deux pays, notamment dans le domaine du renseignement. Mais de là à autoriser les incursions armées de son voisin, Félix Tshisekedi ne s'y est pas risqué publiquement. Trop sensible. Les souvenirs douloureux de deux guerres du Congo
entre la fin des années 1990 et 2003 sont encore très présents, tout comme le deux rébellions du CNDP et du M23 soutenus par le Rwanda en 2007 et 2012. Jusqu'à 9 armées étrangères s'étaient battues au Congo lors de la Deuxième Guerre. Une bêtise à éviter. Le député UNC Juvénal Mounombo, membre de la Commission permanente Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, résume assez bien le climat dominant à Kinshasa. Sur son compte Twitter, le Ludé Walikale a condamné fermement la présence de l'armée rwandaise dans l'est de la RDC. Je m'étais déjà opposé à plusieurs reprises à l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais, comme en octobre 2019. Le groupe d'experts de l'ONU ne fait que confirmer notre alerte. Une bêtise qu'il faudra absolument éviter est celle d'autoriser l'entrée des troupes rwandaises, ougandaises et burundaises en République démocratique du Congo. L'apport de nos voisins doit se limiter à l'échange de renseignements pour combattre le rebelle FDLR, ADF et FNL, et pas des opérations conjointes. Le député a déposé une question orale à l'Assemblée nationale destinée au ministre de la Défense. Pour le moment, les autorités congolaises sont restées muettes sur le sujet. Voilà, très chers compatriotes, ce que je viens de vous dire est confirmé naturellement par un député national qui d'ailleurs ici, comme je viens de vous le lire, a déposé une question orale à l'Assemblée nationale pour évoquer cette question. Il y a incursion et armée rwandaise sur le territoire. Mais ce qui est choquant, comme je l'ai dit ici, c'est l'absence de déclaration de l'autorité nationale. Parce que nous ne dépendons pas de la déclaration de l'autorité à Rwanda. Nous dépendons de la déclaration de l'autorité nationale. Mais, absence totale, jusqu'à présent, personne n'a fait ne serait-ce qu'un démenti ou dire si c'est vrai ou c'est faux. Du côté de la présidence de la République, un silence radio. Bon, nous ne pouvons que dire ici, confirmer que ce qui s'est dit depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, ils ont livré notamment des accords secrets qui existeraient entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Mais à chaque fois, Paul Kagame ou bien l'armée rwandaise évoque toujours la présence de AFDL sur notre territoire. Certes, FDLR, c'est-à-dire des anciens militaires et Habyarimana qui ont été accusés du génocide dans leur pays et il y a régime, il y a Habyarimana, ils sont venus en masse ces réfugiés dans notre pays et nous connaissons ce qui s'est passé par la suite. Et depuis ces temps-là, le régime de Paul Kagame avance toujours comme argument la poursuite d'un ancien génocidaire ou un territoire d'Abisso. Or, nous sommes aujourd'hui, depuis le génocide des Kagame à Rwanda en 1984 jusqu'à aujourd'hui, faites des calculs, vous allez voir que plus de deux décennies, et les qui déjà. Et que ceux qui ont fait ces génocides, s'ils ne sont pas tout simplement été exécutés par le militaire rwandais déjà à l'époque, il y a Laurent Désiré Kabila qui a permis à ce qu'on leur pourchasse jusque dans Mbandaka, partout à Kinshasa, ils étaient réfugiés, on les a pourchassés partout. Si l'armée patriotique rwandaise n'a pas réussi à les massacrer, à les anéantir. Mais ceux qui sont aujourd'hui, qu'on accuse des AFDL, sont tout simplement des jeunes gens, Botami Nakatiaba Maki, c'est-à-dire Nakatiaba forêt congolaise. Parce que ceux qui ont fait les génocides, aujourd'hui, s'ils vivent encore, en tout cas, Bazat Lissous ou Bajeuneté. Comme déjà Nicolo, avec ma condition difficile, ils ont la forêt, et surtout ils sont dépourvus de tout.
Je pense que Moutarouz, elle en a 40 ans. D'ailleurs, ils ont déjà dépassé. Bazal, elle a 60 Nicolo, 65 Nicolo. Avec ma condition, Oeza, il y a Bango, il y a ma forêt, Nabiso. Ces gens-là, je pense qu'ils paraissent aujourd'hui comme étant, comme ils ont 80 ans. Non, parce que ils sont vraiment, je dirais ici, abîmés par ma condition. Oeza, il y a Bango, il y a Zamba. Mais Paul Kagame est toujours téméraire. Il y a quoi avancer tout le temps, l'argument, on a, il y a quoi poursuivre Bango. Je peux comprendre cela. Mais de jeunes gens qui sont nés dans la forêt de Bissokuna, mais eux, ils n'ont pas commis le génocide. Voilà. Ce sont des Rwandais, naturellement, qui, hormis le fait que Bazali se battre pour la survie de Bango, mais Bazali a le droit de revendiquer la nationalité de Bango rwandaise et un jour de regagner sol de Bango. Mais vous comprenez qu'ici, il y a une grande complicité également. Il y a Paul Kagame avec un certain nombre, il y a bas responsable, il y a AFDL Luanda, pour le maintenir la République démocratique du Congo, afin il y a coupé, ça y est, toujours argument oyoyi, massif et consistant à que je poursuis le rebelle génocidaire Oyebazali caché dans le territoire congolais. Et voilà maintenant le président Félix Tshisekedi au pouvoir. Togopeki Sayete, à Salaba, à Lukaba, soutien régionaux par rapport surtout à la situation liée avec Joseph Kabila. Mais ils ont malvenu, soutien en Inde notamment, et Salami Naba, Oyo Bazali considéré ici, je parle de Paul Kagame et de son armée, comme faisant partie, il y a. Responsable également, il y a génocide au Ebanagi, non seulement il parle à Bango, mais génocide surtout au Salama et pas de la Bissot. Nous avons tous déploré cela, mais Ali Chouanaïe, on nous a avancé, Barguima et Roulbaké, la politique est dynamique, demain quelqu'un peut être votre ennemi, aujourd'hui il se retrouve votre allié. Mais je veux bien, mais dans ma circonstance, au Ebanagi, face Nabino, Nabatou O et Bazako souhaitait anéantissement Nabino. Avec des gens qui n'ont en tête que votre, non seulement destruction, votre destruction, mais surtout l'occupation territoriale Yambo Kanabino, notamment la partie où il y a beaucoup plus de richesses. Parce qu'ils considèrent que vous n'avez pas droit. Il y a pour profiter, vous seulement, il y a ma richesse, voilà. Et également, hein, ils ont droit, compte tenu à exécuter, oui, ça, dans le territoire rwandais, compte tenu à situation, oui, ça, là, que lorsque les Hutus sont au pouvoir, les Tutsis ne peuvent pas rester ensemble avec eux. Il y a toujours une ethnie, oui, à Vivaka, en exil, en alternance. Si c'est les Tutsis qui sont au pouvoir, les Hutus sont en exil. Mais comme les Hutus sont majoritaires, vous ne pouvez pas renvoyer la majorité de la population en exil. Vous serez obligé de cohabiter avec la majorité. Mais en cohabitant avec la majorité, on procède à ce qu'on appelle ici le musellement. C'est-à-dire, on applique ma politique. Il y a qu'on muselait le peuple, voilà, aux majoritaires. Et il y a ma élimination systématique. Il y a non seulement élimination, mais il y a vous faire peur là-bas, tout pour leur faire taire, tout simplement. Voilà pourquoi maintenant on se retrouve maintenant avec une situation qui ne s'arrête pas. Des tueries continuent toujours. Hein. Tous les jours, nous déplorons des morts à l'est du pays, mais le président de la République n'est plus pas mort. Aucune déclaration de la part du chef de l'État. Si cela ne s'apparente pas à une complicité, je ne vois pas. Et Zali qu'on s'apparentait à Nini. Ne dit-on pas qui ne dit mon consent. Parce que je vois très mal vos compatriotes soient massacrés avec une certaine sauvagerie au Zali n'a précédenté et avec une détermination il y a qu'on massacrait vraiment tous les jours les Congolais, mais le chef de l'État ne dit absolument rien. C'est la frise ici, très chers compatriotes, la complicité pour ne pas dire
pour ne pas dire la trahison. Si nous étions vraiment, je dis bien, si ces pays étaient encore, avaient encore des gens responsables, je pense que le président de la République serait accusé des hautes trahisons. Parce qu'on le voit tous les jours dans les réseaux sociaux. Le nombre des morts ne s'arrête pas. Au contraire, ça va toujours crescendo. Tous les jours, nous déplorons le nôtre. Le nôtre, pardon, on tue le nôtre. Bazar au tombé alors qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela. Tous les jours, nous déplorons le viol de la population, la femme congolaise. Tous les jours, à l'est du pays, on voit des morts. On ne compte plus nos morts. Mais à Kinshasa, motus bouche cousue, le président ne dit absolument rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Et cela ne vous concerne pas. Eh bien, nous disons non. Nous disons non parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Si Joseph Kabila a échoué, cela fait également partie avec l'échec naïe. Parce qu'il avait pensé que sa stratégie qui consistait à garder un mutisme par rapport à tout ce qui s'est passé à l'est du pays et qu'on marchait à tout le temps. Eh bien, à un moment donné, il s'est rendu compte ici que non, ça n'était ne plus parce que les Congolais, partout où ils se trouvent, n'arrêtaient pas non plus. Il n'y a qu'au crier tous les jours, il n'y a qu'au dénoncer le massacre. Alors, Félix Tshisekedi a copié naturellement sa stratégie. Voilà. C'est une erreur ici. C'est une erreur parce que Paul Kagame y est ce qu'il a toujours intéressé. Et ça lie au objectif naïe, c'est-à-dire la réussite, il y a l'objectif naïe. Il faut que Félix Tshisekedi se rappelle toujours de ce qui est arrivé à Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila a commencé d'abord, il a aidé Paul Kagame pour atteindre l'objectif naïe, d'abord à la mission notamment, il a autorisé l'armée patriotique rwandaise de poursuivre sur notre sol génocidaire Oyo Rwandais qui m'a dit dans le territoire Nabisso. Mais comme il était un patriote, face à tout cela, il a fait un revirement à 180 degrés. Il a dit que non, je risque d'être ici accusé. Il y a un meurtre concerné Gaïté. Parce que c'est ce qui a été également un projet accusé et un mot pour écarté la jeu. Il a compris cela et il a pris ses distances dans le Rwandais. Et ça, n'a guidé tout le monde. Mais je peux vous dire ici que ce qui se passe, si vraiment Félix Tshisekedi laisse faire l'armée rwandaise dans notre pays, je ne vois pas comment est-ce qu'un jour, s'il est vraiment congolais, comment est-ce qu'un jour il n'arrivera pas, il n'y a qu'au côté en contradiction là-bas, au Bazo Bomelaye, peuple naïe. Je dis bien, si il a encore le patriotisme chevillé au corps, ici, de voir Bandekonaye Bazako tomber par les armes, les munitions et armées rwandaises. Je vous dis qu'à un moment donné, parce que l'homme étant ainsi fait, vous ne devez jamais oublier cela, l'homme étant ainsi fait, à un moment donné, vous entrez en contradiction, en révolte na Yomoro. Même ceux qui, au départ, il a accepté Liowana et il a autorisé à ce que fouler le sol Yamoura Labisso. À un moment donné, ce n'est pas les Congolais qui vont faire en sorte qu'il y ait à changer. Mais révolte de Outa et pas Inaïe Moko. J'insiste ici, Yarolobagé. Soki Azali, Azali n'a patriotisme chevillé au corps. Révolte de Outa et pas Inaïe parce que aucune personne, aucun être humain sur cette terre, en Rotikala, vraiment de marbre, face à l'atrocité au Bazar Osala volontairement sur son peuple. Si lui, aujourd'hui, naturellement, il respecte Bakor et Asignati, Nan Joseph Kabila et Paul Kagame de Museveni, ainsi de suite, mais à un moment donné, je vous assure, très chers compatriotes, ça ne peut plus fonctionner. Comme on a limite dans le mot, et en ce moment-là, je pense que, et qu'on a trop tard pour nailler, et qu'on a trop tard parce que non seulement il connaît beaucoup de choses,
Mais les autres maintenant, après avoir obtenu de lui ce qu'ils ont souhaité, Barosala Sikoyo n'a objectif mongo ya koluka ko éliminer. Oh, nous avons déjà connu pas mal de présidents chez nous au Bakoufi dans la violence. Nous ne voulons plus cela. Nous ne voulons plus voir chez nous des présidents qui tombent parce que à un moment donné ils ont pactisé avec les ennemis. Il y a pas peuple Nabango, tant moi j'ai conscience. Après, Balukelier qui va nous sous lobby. Tant mieux pour lui, donc tant pis pour lui, pardon. Bien fait pour lui. Donc, nous ne souhaitons pas cela parce que cela amène bas et amène à bas malédiction à peuple. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes sans le savoir que d'ici le 30 juin, nous connaîtrons le rapatriement. Il y a reste, il y a Patrice Emery Lumumba. Hein? C'est-à-dire, reste, ils allaient considérer comme étant reste, c'est juste une seule dent. Détenu par un Belge participant à un massacre. Voilà. Il a gardé comme trophée une dent, il y a Lumumba. Mais regardez depuis la disparition, est-ce que notre pays a connu déjà tranquillité, mon revoyé? Non. Et depuis qu'on a tué Laurent Désiré Kabila, est-ce que le pays a connu le bonheur? Non. Nous ne souhaitons pas, alors que nous n'avons pas encore trouvé des solutions. Comment s'en sortir après l'élimination par la complicité à la Congolais et à Laurent Désiré Kabila? Cela nous amène des malédictions également. Tant connaître les sous-élimination, il y a un autre chef de l'État ici, Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous lui demandons vraiment de dénoncer l'accord Rwanda. De dénoncer l'accord Rwanda et les Congolais, au sala front avec Yé, parce que notre erreur également était de ne pas faire front avec Laurent Désiré Kabila. Nos ennemis nous ont divisés et Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé isolé. Ce qui Laurent Désiré Kabila a été soutenu par les Congolais, je pense que sa mort aurait pu être évitée. Mais malheureusement, tel n'était pas le cas. Nos ennemis ont su nous diviser et Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé seul, hein, seul, sans les Congolais, on va soutenir hier, en dehors de quelques Congolais, et ils ont reçu leur coup. Nous ne souhaitons pas ce que Elo Rwanda et s'est répété. Parce que, et Néaoti Koloba Awa, cela n'amène que de malédiction dans Mboka. Or, notre pays, depuis son accession à l'indépendance du pays, Congolais n'en nous connaîtra pété. Oyo Macron, nous sommes en guerre. Bissot Toro, depuis 1960, le Congo est en guerre perpétuelle. Non seulement à cause. Il y a la richesse qu'il y a à détenir, mais également à cause de la trahison multiple et variée Oyo Banayambo Kabamomoko Bazali faire partie ici. Notamment, toutes ces armées Oyo Zana Est et pays, nous savons très bien que responsable, pour ne pas dire commanditaire, Oyo Batira, Oyo Ficelle, Oyo Bazana Kinshasa, Bazana Katiaba Institution, tapis dans l'ombre et. Il donne des ordres, les Congolais tombent comme des mouches là-bas. Nous le savons aujourd'hui, ils ont des sous secrétés. D'ailleurs, le rapport Mapingo et Bimi, la Kissibiso, très bien que ces gens sont tous des criminels, ces gens sont tous des seigneurs de guerre, et ces gens ont, un moment ou un autre de leur existence, partisé, collaboré pour élimination des Congolais ici. Voilà ce que nous déplorons ici. Donc, la présence armée rwandaise dans notre pays, nous la condamnons sévèrement. Il faudra que le président Félix Tshisekedi sorte de son mutisme et qu'il fasse une déclaration, vraiment, hein, qu'il parle et dénonce cette présence sur le territoire national. Ne pas le faire sera immédiatement considéré comme étant une haute trahison. Parce que rappelez-vous des déclarations, il y a le président Félix Tshisekedi alors qu'il était encore dans l'opposition. Hein? Rappelez-vous de ces déclarations par rapport toujours à ma incursion et à l'armée rwandaise. Il condamnait également ensemble avec nous. Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, lui est au pouvoir, hein? Il est au courant, il y a ma réalité, Oyo, Ngaïnaïoto Yébité. Mais, voir la façon dont ma compatriote, Bazako, tombait, très cher compatriote, je pense que ici nous sommes non seulement face à une grande complicité, pardon,
de la part de la communauté internationale, parce que je ne peux pas comprendre également, personne censé, Oyazali, vraiment des Balobara, qui a sa tête sur ses épaules, quelqu'un est censé ne peut comprendre qu'avec la présence de la MONUSCO sur le terrain, qu'on procède chaque jour na ba tuerie nengé salamaka. Si tant est que on peut commencer déjà à le dire que la MONUSCO connaît quelque chose. Ou peut-être la MONUSCO se paye également sur la bête qui est la République démocratique du Congo. Parce que on tue à côté, il y a la force onisienne. Certains disent même que l'ONU a ses groupes armés qui à Tindara pour Abomabatou, pour également se faire de l'argent, de minerais, consoeur. Et ça est impossible, parce que je ne peux pas comprendre, comme on nous dit toujours que la présence onisienne coûte, on dit bien par mois, ça coûte, je ne sais pas moi, $1 million, je ne sais pas moi, ici c'est par mois. Mais calculez maintenant le nombre d'années Oyoloni et Salikuna et combien ils ont dû dépenser. Alors si ça leur apportait absolument rien, je ne pense pas que Bauti Garaga Akuna. Je ne pense pas que l'ONU a continué à dépenser autant de millions alors qu'ils ont gagné leur mort. Non, je crois ici que l'ONU ici tire également dividende énorme. Un malheur où ils ont frappé le peuple congolais depuis aujourd'hui des décennies, c'est ça qui fait en sorte que l'ONU ne quitte pas. Je ne suis pas ici en train d'accuser bêtement Félix Tshisekedi en disant que c'est lui qui nous a amené cette guerre. Non, il a trouvé la guerre et Zalakiwana. Ce n'est pas lui, ça a commencé avant, bien avant lui. Mais lui, quand il est parti pendant la campagne naïe à Prometaki, Bandero Nabiso Yakuna, qui est avec lui un pouvoir, il y aura la paix. Mais il a fait les contraires dès qu'il est arrivé au pouvoir. Les contraires, c'est d'aller pactiser avec le même meurtrier qui tue nuit et jour le peuple congolais. Et il me semble ici que il trouve un réel plaisir. Il y a vraiment la Congolais les bazar au Koufa. Parce que pendant que les militaires congolais ont été, nous avons vu, ont trouvé la mort dans un crash aérien et qu'on les a enterrés, on les a enterrés quasiment dans la fosse commune, des jeunes gens qui ont un avenir devant Bango, on les a enterrés dans la fosse commune. Nous voyons à Kinshasa le président de la République offrir une jupe d'une valeur de plus de $70,000 à un ancien PDG Mukamba. Ça fait très mal. On ne comprend plus rien. Est-ce que acte, il y a président de la République, et Zali, acte Moko pour choquer les Congolais, ou bien Zali, acte Moko Nereyal Bagike, aller avec un état de, instaurer l'état des droits et aller instaurer valeur et la démocratie. On ne comprend plus rien, très chers compatriotes. Franchement, je vous dis que le président Félix Tshisekedi, nul naïe, stratégie naïe, oya, adopté, je pense que, et connaître flop. À un moment donné, Azalamoutou a s'est arrêté et Atala surtout à venir Yambokanaï. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que vos compatriotes sont massacrés alors que personne ne pipe un mot. Personne à Kinshasa ne parle de ces massacres à l'Est. Donc il y a comme une chape de plomb et Zoussalam en Marabouya Est. Le seul qui parle de ça, ce sont beaucoup plus de gens de la diaspora. Parce que la diaspora, mais à Kinshasa, personne ne parle. Donc il y a comme une certaine peur d'évoquer Marabouya Est et API. Si vous ne voulez pas mourir, évoquer seulement la situation il y a Est et API. Et ils ont intégré la mutuelle à ma politicien. Ben, où allons-nous maintenant? Cela va continuer comme ça. Parce que ici, le problème, c'est que nous ne savons pas quel le nombre jusqu'aujourd'hui à ma Congolais au bazar massacré. Parce qu'il y a ici comme un,
une détermination d'éradiquer, d'éliminer systématiquement les Congolais dans l'Est et pays. Et pour faire quoi? Vous savez très bien que pour laisser la place à des nouveaux Congolais qu'on va occuper en haut. Voilà pourquoi j'ai dit ici que le président Félix Tshisekedi doit faire une déclaration pour condamner stratégie wana oyeba bazali ko bomba ndeko na biso. Ne pas condamner, cela s'apparente tout simplement, très chers compatriotes, il y a approbation là-y. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec ce qui se passe là-bas. Parce que depuis qu'il est là 2 ans aujourd'hui, on pensait que l'arrivée à Félix Tshisekedi et Nenge Ayé, hein, les choses vont se calmer à l'est du pays, les Congolais vont respirer, et qu'avec Mwana Mboka, Nenge Bamou Bavandakiye, Mwana Mboka, Akoya Makambeko changé, mais patatras, on voit par contre que beaucoup des choses s'empirent dans et Mboka Wana. Il se passe des choses, même à l'époque, il y a Kabila et Salamadité. Et là, notamment, j'entame le deuxième sujet. La grâce présidentielle accordée à colonel Edi Kapen. Personne, très cher compatriote, ne peut être contre la sortie de la prison et Edi Kapen. Il a déjà purgé 20 ans en prison, ce n'est pas rien. Et en plus, nous savons tous que ce n'est pas lui qui a tué Moussé. Ceux qui ont tué Moussé ont été libéré avec des millions de dollars, pour ne pas dire des milliards, et ils vivent paisiblement avec cet argent que Joseph Kabila leur a donné. Ceux qui ont tué Moussé, des complices de la mort de Moussé, sont à Kinshasa, là. Ils vivent peinards. Ils sont dans les pays africains, ils sont au Rwanda, ils sont au Burundi, ils sont en Ouganda, et ils sont également à l'étranger, dans Mboka Mipaya. Mais ceux qui se retrouvent dans la prison Oana Yamakala, s'ils étaient vraiment des responsables, il y a assassinat Moussé, ils ne seraient plus aujourd'hui vivants. Batouana Nyosoro, Babini Wana, Edi Kapen. Mais ce qu'il faut, vous devez savoir ici que c'est quand même une question qui a été abordée entre les deux président Félix Tshisekedi et Joseph Kabila en ont parlé. Et je pense ici que Joseph Kabila avait déjà intégré cette idée depuis longtemps, mais il avait peur d'être accusé ici, qu'on l'accuse de se dire que non, il libère le bateau à Omaï Tatanae, donc c'est lui qui a tué son père. Voilà ce qui justifie ici les 20 ans Oyo Edi Kapen à Salina prison. Parce que Joseph Kabila avait peur d'être accusé directement par les Congolais, qu'il libère Bato Aboum Oye Akize qui Aboum Petatanaye. Donc c'est lui le vrai assassin. Il ne l'a pas fait. Mais la sortie, bien la grâce présidentielle, a été abordée par les deux hommes. Joseph Kabila avait déjà accepté que Bato Anaba Bima, mais il ne pouvait pas le faire. Mais bienvenue, la présidente Félix Tshisekedi et Assane Roy. Ils veulent maintenant nous faire vendre cette histoire comme étant les alliés. Ça fait partie à la réussite, il y a président de la République. Non, la grâce présidentielle, très cher compatriote, est à libre prérogative, il y a président de la République. Ici, bien en France, on le sait, chaque année, la contrévention, par exemple, en France, le président français a effacé la contrévention avant Moana, hein, pour ne parler qu'à un niveau, il y a la contrévention. Et à un niveau, il y a la grâce présidentielle. Donc, le président, parmi les attributions, il y a grâce présidentielle fait partie. Mais le problème ici est à dire que on nous parle de la grâce présidentielle, mais on ne nous parle pas de... Comment dirais-je, que Edi Kapen est innocent. Parce que le fait qu'il soit libéré par la grâce présidentielle ne signifie pas qu'il est innocent. Le paix de Damoclès est à dire suspendu dans Moutounaï comme étant c'est lui qui a tué Laurent Désiré Kabila, reste toujours. Voilà pourquoi les gens demandent un procès maintenant équitable. Sur ce point-là, les Congolais vont se retrouver. Tous les Congolais sont d'accord. Il y a Oloba Kenon. Leur revenu maintenant d'ouvrir enfin le dossier judiciaire
et de connaître une vraie procès de Banani Oyo Babomaki, le président en fonction Moussé Laurent Désiré Kabila. Mais je peux vous dire déjà que l'homme, s'il n'a pas parlé pendant 20 ans au Yazalaï en prison, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va encore parler. Je pense que la vérité, nous ne la connaîtrons jamais. Et le procès n'est pas toi, c'est un procès équitable, il n'y en aura jamais. Et qu'on a la tête, tout simplement parce que il y a beaucoup de complicités ici, et ces complices sont là à Kinshasa, et ces complices sont très puissants à Kinshasa, et naturellement, ces gens ne souhaiteront jamais que ces dossiers, il y a Laurent Désiré Kabila et Bimali Soussou, sur la surface, et qu'un vrai procès est ça là-bas, où il va quoi accuser directement en gros. Il faut oublier cela. Et qu'au Salamaté, je pense déjà que c'est une grande chance pour lui, Eddie Capin, de rester encore vivant aujourd'hui. Hein? Après 20 ans à Salikouna, de sortir vivant, c'est une chance énorme parce que beaucoup sont décédés dans la prison, dans la maladie, ainsi de suite. À part ceux qui se sont évadés par des complicités, toujours, il y a des dossiers, on a très bien. Et ceux qui disent que à quoi ça nous servira d'ouvrir un procès, il y a Eddie Capin, je crois qu'ils ont tort. Parce que je venais de vous le dire ici que, malchance, tout ça, qu'on connaît toujours les lots, c'est parce que nous avons tué un président en exercice et apportera malchance. Et tant que, Zali, considéré comme étant complice, il y a assassinat, il y a président de la République, continue de profiter, continue de vivre décemment dans Katiambo Kawana, je pense que notre pays ne connaîtra jamais, jamais le bonheur. Et voilà pourquoi je dirais ici que je partage entièrement l'idée d'exiger l'ouverture d'un procès, sachant très bien que nous n'aurons jamais un véritable procès en ce qui concerne la mort, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. On ne doit pas se leurrer, très cher compatriote. Il n'y en aura pas. Aussi longtemps que ceux qui profitent de cela, ceux qui ont tué Moussé sont encore, non seulement en vie, mais ils contrôlent encore le pouvoir dans ce pays-là, il n'y aura pas de procès équitable dans ce pays-là. C'est dommage, c'est triste, mais n'allez pas nous vendre cette grâce présidentielle comme étant Fachi. Il y a un homme de ça au Lakisake, Félix Tshisekedi, Azali, comment dirais-je, na pouvoir mokobo exorbitant. Non, je viens de vous le dire ici, c'était un dossier qui a été déjà abordé par les deux personnes. Donc, Joseph Kabila avait déjà longtemps intégré l'idée de libérer Batouana, mais il ne savait pas comment faire. C'est pareil également avec ce qui se passe à l'est du pays. Joseph Kabila avait toujours peur d'aller trop loin, de peur d'être accusé par les Congolais, les Rwandais. Donc il freinait toujours des quatre fers. Il freinait des quatre fers et il mettait beaucoup d'eau dans son vin pour calmer les velléités, il y a Paul Kagame. Mais avec l'arrivée à Félix Tshisekedi Mwanamboka, c'est lui qui se considère comme étant qu'il a le blanc-seing de tout faire sur ce pays-là. Voilà, il prend des décisions et Paul Kagame en profite. Tous ces gens-là en profitent. Ils arrivent maintenant avec Félix Tshisekedi à obtenir ce qu'ils n'ont pas peut-être pu avoir avec Joseph Kabila. Pas parce que Joseph Kabila ne voulait pas, mais parce que Joseph Kabila avait peur de se faire ici traiter, de se faire accuser directement par les Congolais d'être Rwandais. Et ça, il avait peur de ça. Mais Félix Tshisekedi, étant un Congolais, des souches naturellement, alors les autres profitent d'avancer leur agenda. Oyo, Joseph Kabila n'arrivait pas, et à qu'au permettre, Bambo. C'est pareil également avec la sortie d'Eddie Capent. Si je suis d'accord qu'il rejoigne enfin sa famille,
Hein, 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est beaucoup qu'il rejoigne enfin sa famille. Mais n'allez pas nous dire ici que c'est grâce à président Félix Tshisekedi né Edi Kapende a été libéré. Non. C'était un dossier qui a été abordé par les deux personnes, hein, les deux autorités morales, l'ancien président de la République et l'actuel président. Et l'ancien président, puisqu'il s'agit de son père ici, il avait déjà accepté la libération il y a Batouana. Mais ce qui est choquant ici, c'est quoi? Ce qui est choquant, c'est le vice-ministre. Le vice-ministre de l'UDPS, monsieur Bernard Takaiche Ngumbi, profitant de l'ordonnance du chef de l'État, accordant la libération à M. Kapende, a glissé dans Katia Listewana quelques voyous criminels économiques à qui étaient condamnés lors de du procès, pardon, il y a 100 jours, il n'y a pas longtemps, Batouana a été condamné, reconnu coupable d'un procès il y a 100 jours. Mais on voit ici que le vice-ministre profite également Yako introduire Batouana, notamment ici, monsieur Benjamin Wenga, na Makabuza, qui venait d'être arrêté et inculpé pour détournement de fonds publics. Mais on nous dit maintenant que, comme toujours, le président n'était pas au courant. Hein, voilà ce qu'on nous dit. Oh, le président n'était pas au courant. Mais on se pose la question, comment est-ce que quand il se passe des choses, grave, il y a Zaraga au courant. Mais quand il se passe quelque chose, où il y a un avantage, ça profite na Félix Tshisekedi. Mais je dis ici que c'est grave ce qui s'est passé avec le vice-ministre de la Justice. C'est très grave. Parce que l'État dit de droit que Félix Tshisekedi est venu instaurer, hein, dans notre pays. C'est un État qui s'apparente ici, très chers compatriotes, à un État de voyous. Je ne peux pas comprendre que des gens qui ont été impliqués dans un détournement à fond, dans le cadre et à procès à 100 jours, soient libérés ensemble dans le cadre d'ordonnance Mokoïza ou libéré Edi Kapende Koyazaragi accusé d'assassinat à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais on veut nous faire croire que le président n'était pas au courant. C'est encore grave ce qui le président Azalaki au courant est. Cela présuppose tout simplement que des choses très graves se passeraient, hein, dans mon Congonaïe et que chacun au sein d'un ministère ou bien d'un cabinet d'un président de la République, chacun joue perso. Il n'y a pas ici, comment dirais-je, une politique Moko de mener de main de maître ce pays et bimanaba difficulté. Donc chacun essaie ici de profiter de la situation. On dirait comme si ils sont en train de compter le temps qui passe. C'est dit que non, il nous reste 3 ans. Chacun doit profiter pour naturellement se mettre plein la poche. Sinon, il vous aura trop tard. La question est ici maintenant et de savoir quel est l'intérêt du vice-ministre, en l'occurrence de l'UDPS, hein, de faire sortir deux DGWANA impliqués, arrêtés, pardon, jugés et condamnés lors il y a procès il y a 100 jours, ce qui est à Zalaki n'a pas intérêt ou anaté. Bon, je ne vois pas. Intérêt en mot, c'est que Zalaki n'y. Donc ce monsieur également connaît des choses par rapport à des tournements, voilà. On ne le sait pas. Je pense que c'est un scandale et encore une fois, l'unanimité s'est créé autour et l'oro de la Bissoudioso. J'ai lu ici ou là, ici et là, pardon, que des gens à Kinshasa condamnent massivement, pour ne pas dire condamnent vigoureusement, la sortie à Batouoyo. Est-ce que maintenant, est-ce que Ezali est à des droits où nous avons vivre, c'est-à-dire des voleurs, hein, ceux qui détournent l'argent de l'État, sont libérés alors que des innocents sont arrêtés? Voilà, je parle ici des innocents, c'est-à-dire, quand on dit, par exemple, ce garçon, je sais qu'il est, c'est un pro-tutsi, pro-rwandais, mais là n'est pas le problème. Mais ce type est arrêté pour avoir tout simplement dit que le président de la République a relié un mouvement.
Je cite, je parle pour ne pas les citer ici, des Barnabé Moulinyama qui se retrouve incarcéré dans la prison centrale Yamakala. Lui n'a rien détourné comme argent de l'État. Mais il a tout simplement dit que s'il n'y a pas de l'union sacrée, il y aura quoi alors? Il y aura un mouvement arrêté, c'est-à-dire traduit d'une manière banou militaire, une justice rapide et condamné et incarcéré dans la prison de Makala. Je ne parle même pas ici d'Henri Maggi, mais quel est ce pays, quel est cet état de droit où le voyous économique, les criminels économiques sont libérés alors que des innocents croupissent tranquillement dans la prison parce qu'eux, ils n'ont pas de connexion. Non, je pense que nous devons condamner, tous condamner, en tout cas, il faut que ces deux hommes basons à la prison. Si Félix Tshisekedi veut encore sauver quand même ce qu'il y a à sauver, il doit donner l'ordre ici de récupérer ces deux hommes-là basons à la prison. Je ne vois pas comment est-ce que ces gens qui ont été condamnés, reconnus coupables de détournement de fonds de l'État en relation avec le procès il y a 100 jours, ces gens-là soient libérés aujourd'hui. Je ne comprends pas cela. Je pense que vous serez également d'accord avec moi. Je crois que le fondement de cet état des droits, cet état des droits, Ezali Assinaba Massange, l'état des droits est devenu un slogan, l'état des droits est devenu une poudre aux yeux pour tromper la vigilance des gens. La vérité est qu'ici, on copie tout ce que Kabila faisait avant. D'ailleurs, il n'hésite pas à le dire. Si vous leur dites quelque chose, ils disent que Kabila paie à Salah Guillermo. Or, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait faire le contraire de ce que Kabila avait fait. S'ils sont vraiment cohérents par rapport à eux-mêmes, ils doivent faire le contraire de ce que Kabila a fait parce qu'ils n'ont pas arrêté de combattre Kabila, ce qui était une très très bonne chose. Mais aujourd'hui au pouvoir, on voit qu'ils considèrent Kabila comme étant leur référence. À chaque fois, ils disent toujours que non, Kabila paie à Salah Kiyango pour se dire que non, ne nous condamnons pas, Kabila Salah Kiyango, donc nous pouvons également faire cela. Non, je pense que nous avons touché les fonds avec nos frères là. Et j'ai comme également l'impression que Félix Tshisekedi, je peux me tromper naturellement, mais c'est ce que je vois, que l'homme est dépassé. Il se rend compte, d'abord il n'a jamais, en se rasant le matin, il n'a jamais imaginé, ne serait-ce qu'un jour, devenir le chef de l'État de ce pays. En se rasant le matin, pour paraphraser la formule de Sarkozy. Il n'a jamais imaginé cela. Parce que si vous aviez eu des ambitions, par exemple, qu'un jour je vais diriger ce pays, je pense qu'il se serait donné de moyens pour atteindre but naïf et qu'il faut pouvoir réaliser projet naïf. Mais comme il a été pris au dépourvu et face à l'immensité, il y a attente, il y a Congolais. J'ai comme l'impression que 2 ans ont suffi pour que Félix Tshisekedi, Akoma, au bout, il y a limite naïe. L'homme est au bout, je vois qu'il n'arrive pas. Même son soi-disant union sacrée qui s'est transformée en une union des criminels, on voit que Ezali Kosa la flop. Ezali Kosa la flop. Parce que on voit là-dedans l'union sacrée regrouper tous les criminels que nous avons tous vus dans le rapport mapping ici. Et on veut maintenant nous faire vendre Bahati Lukwebo comme étant un nouveau venu. Pardon. Or, Bahati Lukwebo a fait 18 ans avec Kabila. 18 ans aux côtés de Kabila. Tout le gouvernement de Kabila, cet homme a toujours été ministre. Il a fait 18 ans avec lui. Mais certains y croient dans le système. Voilà. Ça, c'est leur problème.
Mais nous, nous restons vigilants, nous restons toujours éveillés, et franchement, Tokozala traîné dans la quête de la maçonnerie. Les ministres, très chers compatriotes, le même vice-ministre de la justice, Bernard Takai Shingumbi, parlant de la libération de messieurs Eddie Capinte, il dit ceci. Cet acte est un symbole pour montrer que le chef de l'État voudrait installer un état de droit dans la paix et la quiétude. Voilà. Très chers compatriotes, cette phrase à elle seule suffit pour comprendre que Batouana, jamais Baboya pour installer l'état de droit, n'engue va faire vandati en mot prière à Congolais. Vous êtes sans le savoir ici que ces gens sont arrivés au pouvoir par les armes, par la force des armes. Et en arrivant pendant 20 ans au pouvoir, ils ont pillé le pays avec une violence inouïe. Pourquoi je dis cela? Parce que aux côtés d'eux vivaient des Congolais misérables qu'ils voyaient tous les jours. Mais cela ne l'importait peu. Ils pillaient systématiquement ce pays-là. Et pendant ce temps, les Congolais mouraient de maladies au Baroui Boku Faté. Mais le ministre, le vice-ministre dit que l'acte de la libération Yaelik Pakapeng, c'était un symbole pour montrer que le président Félix Tshisekedi veut instaurer un état des droits dans la paix et la quiétude. Je donne un exemple. Connaissez-vous ne serait-ce qu'une nation sur cette terre qui a instauré un état de droit, état de droit dans la paix et la quiétude? Ça n'existe nulle part en dehors. Il y a la pensée, il y a le kouta, il y a la toana. Pourquoi? Ceux qui ont pillé ce pays ou bien ceux qui ont massacré les Congolais ne l'ont pas fait dans la paix et dans la quiétude. Et Baroukou n'est jamais dans la paix et dans la quiétude. N'est-ce pas? On dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. La Chine qui est aujourd'hui la Chine, vers les années 60, mais Chinois, Zalagi, il n'y a même pas longtemps, je vais dire, moins de 30 ans seulement, les Chinois étaient moqués par tout le monde ici. Mais la Chine a connu une transformation, pas dans la quiétude et la paix. Ça a commencé avec la longue marche à Mao. Combien de morts y a eu dans la longue marche à Mao? Jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping. D'abord, avant l'arrivée de Xi Jinping, il y avait le grand timonier également. Enfin, Mao, naturellement, le grand timonier. Mais il y avait également, comment il s'appelait encore, l'ancien dirigeant chinois. Le nom va venir, mais c'était dans le larmes qu'ils ont fait des réformes, ils ont pris des décisions, ils ont assassiné des gens. Par là, je veux dire que tout ce qui était compromis dans des détournements des fonds, corruption, ont reçu une balle dans la tête. Je donne un autre exemple. Aujourd'hui, le seul pays africain en dehors de l'Afrique du Sud où ils avaient pris un exemple, c'est le Ghana. Mais le Ghana avant Jerry Rawlings et le Ghana à l'arrivée de Jerry Rawlings, c'est autre chose. Mais qu'a-t-il fait Jerry Rawlings quand il est arrivé au pouvoir? Mais à un moment donné, il était obligé d'arrêter et de fusiller ceux qui n'ont pas respecté les lois en détournant l'argent. Parce que Jerry Rawlings disait que l'argent qui était détourné pouvait naturellement aider les compatriotes naïe, pour sauver ceux qui étaient malades ou bien investir bon moment dans les hôpitaux, dans les écoles, ainsi de suite. Tout le monde s'accaparait énormément. Et que, il va passer aux armes. Mais la phrase du président Félix Tshisekedi décidé d'installer un état de droit dans la paix et la quiétude. Là, vraiment, ça c'est, nous sommes au royaume de Bisounours, très cher compatriote. La République démocratique du Congo, c'est le royaume des Bisounours. Même
son partenaire Paul Kagame, hein, qui n'a pas organisation, il y a un Fonds monétaire international, bah, pays belé Afrique, n'arrête pas d'apprendre, de considérer Paul Kagame comme étant un exemple, il y a bon gestionnaire, tout ça. Or, vous et moi, nous savons que ce qui est considéré comme étant exemple et un bon gestionnaire, c'est tout simplement ici que pillage systématique, il y a des ressources, n'a vu. Les jours où nous arriverons à mettre fin à pillage, il y a des Rwandais, et vous allez voir aussi que statistique, il y a champion, et vous allez les sous. Mais même cela, Paul Kagame a instauré un état de terreur chez lui. Je ne souhaite pas que l'État, Félix Tshisekedi, instaure l'état de terreur chez nous. Mais justement, cela a fait que les Rwandais ont peur de détourner l'argent de l'État. Vous vous rendez compte que les Rwandais ont peur, ne serait-ce que pour détourner les carburants aux ministres. À un moment donné, vous avez un salaire, le ministre paye de sa poche carburant et à Moutouka. Oyo, il y a l'État et Mémaraye Namoussalaye. Parce qu'on considère que vous avez un salaire. Moutouka wana, l'État a déjà la disposition de Moutouka, mais l'État européen ça y est sous bon où il y a carburant T, alors que yo a un salaire na yo, parce que aux autres ne nous là pour gagner ta putance ici. Donc on considère ici que vous pouvez vous-même sortir l'argent de votre salaire pour payer le carburant au Yomimayo. Donc il y a eu le Rwandais, hein, ont compris le message et on détourne pas l'argent de l'État. Hein? Mais Misso, le président Lobby, dans la paix et la quiétude, pendant qu'il refuse de fouiner, pendant que ceux qui sont ces anciens du FCC, ceux qui sont toujours anciens du FCC, contrôlent des millions et des millions de l'argent détourné pendant présence Nabamo dans la tête de l'État. Hein? Vous comprenez que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout nulle part ailleurs. On a connu de bouleversements qui ont compté sans pleurs ni grincement des dents. Voilà. Sans pleurs ni grincement des dents. À un moment donné, les Congolais vont comprendre que si nous voulons sortir de la humiliation que nous avons connue pendant des années et des années, nous devons passer par là. Le pays au Bistofandaka, ils ont connu également cela. Ces pays ont connu également cela. Vous êtes sans le savoir que hein, l'Europe, la notion, ça c'est pas moi qui le dis, la notion du bonheur en Europe, c'est une notion nouvelle. L'Europe n'avait jamais connu le bonheur. Les Européens ne se faisaient que des guerres et des guerres et des guerres et des guerres. Et aujourd'hui, bah, comme il y a un niveau basali, ils sont passés quelque part. Vous voulez instaurer un état des droits par la paix et la quiétude. C'est un mensonge, c'est un discours mongo creux, c'est un insensé. Pendant qu'ils disent là, ben lui, le ministre, le vice-ministre, profite pour libérer Batou Oyo, parce que là, qui est impliqué Nakatia, détournement, il y a programme, il y a 100 jours. Je dénonce cela, j'ai dit ici que non, l'état de droit, on a, ils ont dit état des copains, état des amis, et entre amis, on se fait ici des cadeaux, on vient en aide aux amis qui sont dans des difficultés, alors on aide les amis, et voilà l'état que Félix nous a instauré. Je passe dans le troisième sujet, les amis, vous avez suivi, très chers compatriotes, j'ai choisi ce sujet en rapport parce que nous sommes frontaliers avec ce pays, la Centrafrique. Il y a eu des élections en Centrafrique. Certains d'entre vous, peut-être, ne suivent pas de très près ce qui se passe là-bas. Mais il se passe quelque chose dans ce pays-là, de l'ordre de grands changements. Dans ce sens que, dans ce pays, qui est la Centrafrique, jamais depuis que moi j'ai eu conscience, hein, n'a pas reconnaître que Mokawana, n'a pas reconnaître Mokawana n'a paix. Jamais. Il y a toujours des rébellions dans Mokawana, toujours des groupes armés, toujours des présidents qui sont renversés par des groupes armés. Hein? Donc, depuis le départ, il y a Jean-Bédel Bokassa,
hein, tous les présidents qui sont arrivés au pouvoir, même Yéjean Bedel Bokassa a été renversé. Tous ont été renversés. Toujours des coups d'État et des coups d'État. Je peux citer quelques-uns de chefs de l'État là. Depuis Jean Bedel Bokassa, Ange-Félix Patassé, que vous connaissez également, YP, hein, qui a été non seulement Jean-Pierre Bemba a eu des problèmes à partir tant il n'a eu qu'au soutenir. Catherine Samba-Panza, elle est venue tout simplement la transition. C'était une autre maman, Azalaï est juste présidente, il y a transition. Michel Djotodja, vous connaissez Nenga Yagina pouvoir et comment est-ce qu'on l'a chassé? Aujourd'hui, Ado Van en a Bénin et puis il s'est marié à une béninoise. En passant, il est parti avec beaucoup de millions et il vit tranquillement là-bas. Firmin Grébada, François Bozizé et jusqu'à l'arrivée du dernier président, Faustin Archange Touadéra. Je voudrais rapidement parler un peu de cet homme. Parce que cet homme est en train d'accomplir quelque chose de grand dans son pays. Faustin Archange Touadéra est en train de faire plaisir nabafricaniste et bébé. Pour la première fois, la France est en difficulté dans ce pays. Or, vous savez très bien que c'est tous ces coups d'État que je viens de vous parler ici, c'est ont toujours été l'œuvre de la France ici. L'œuvre de la France. Et naturellement, ce qui se passe aujourd'hui avec, encore une fois, Bozizé, c'est toujours la France qui est derrière Bozizé. Vous comprenez? Qui est cet homme, Faustin Archange Touadéra, qui est en train de, vraiment, je viens de le dire ici, de réussir à un coup de maître dans Katambogawana. D'ailleurs, les élections qui viennent de se dérouler, il a gagné des élections à 53,9%. Alors qu'une bonne partie à territoire, pas par la faute, centrafricain voulait voter, mais c'est parce que Bozizé contrôle avec ses rebelles ce territoire et empêche les gens d'aller voter. Le centrafricain était déterminé de voter, mais la rébellion soutenue en cachette ici par Macron et la France, hein, vient ici en train de chercher d'arrêter ce qui se passe là-bas. Qui est cet homme? Je l'ai choisi surtout également en comparaison avec notre chef de l'État, nos chefs de l'État. Parce que diriger un pays, très cher compatriote, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande une... Certes, il n'y a pas de formation de président de la République, ça n'existe pas. Mais ça demande quand même un background. Même c'est Joseph Kabila, que les gens disent que Azamaye l'était, moi je ne dis jamais cela. Cet homme a réussi une formation des terrains aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Ça vaut toutes les formations que vous pouvez avoir. Formation des terrains, ça vaut toutes les formations. Parce que partout où Laurent Désiré Kabila a été, il était avec lui. Bon, mais il était avec lui. C'est son fils, qu'il soit son fils naturel ou adoptif, c'est son fils. Il l'a éduqué, il a transmis valeur au yaïe. Donc l'homme, il a suffisamment appris le terrain que sur le banc de l'école, parlons comme ça. Mais Faustin Archange Touadéra est né à Bangui le 21 avril 1957. Donc, le 21 avril de cette année, il aura 64 ans. Il est élu Premier ministre d'abord en 2008 à 2013. Et il est élu président de la République en 2016. Cet homme, c'est un mathématicien de formation. Titulaire de deux doctorats en mathématiques, obtenu en 1986 à l'Université de Lille en France, Lille 1 en France, et en 2004 à l'Université de Yaoundé au Cameroun. En 1987, il devient professeur assistant de mathématiques à l'Université de Bangui. Et
il devient vice-doyen de la faculté des sciences de la même université, de 1989 à 1992. Il rejoint les comités inter-États pour la standardisation des programmes de mathématiques dans le pays de langue française et l'océan Indien en 1999. Servant en tant que président du comité de 2001 à 2003, il est vice-président, vice-chancelier en mai 2004, puis recteur de 2005 à 2008 de l'université de Bangui. Faustin Archange Touadéra est nommé Premier ministre le 22 janvier 2008 par le président François Bozizé à la suite de la démission de l'ancien Premier ministre Élie Doté. Le 12 janvier 2013, il démissionne de ses fonctions avant d'être remplacé le 17 janvier par Nicolas Tiangaï, qui constitue un cabinet d'Union nationale le 3 février. En 2014, il se réfugie sur la base de l'ONU, comme le pays connaît tout le temps de guerre, de déstabilisation, tout ça. En 2014, il se réfugie sur la base de l'ONU de Bangui pendant 6 mois, puis à Villeneuve, en France, avec son épouse et ses 3 enfants. À l'élection présidentielle de 2015 et 2016, il arrive deuxième du premier tour avec 19% de voix, derrière son opposant Anissé Georges Dologuélé, qui arrive en tête avec 23,7%. Il est finalement élu président de la République à l'issue du deuxième tour avec 62,7% des suffrages contre 37,3% Anissé Georges Dologuélé. Son investiture se déroule en 2016 et depuis lors, il dirige maestralement ce pays. Mais qu'est-ce qu'il est en train d'accomplir? Avant de parler, il fallait tout ça, la portrait robot. Toeba, qui est l'homme? Quelle est sa formation? D'où vient-il? Et est-ce que background n'a pas été? Une fois que nous avons fait cela, on comprend que ce type, c'est quand même quelqu'un qui comprend les enjeux. Et il arrive au pouvoir. Il manœuvre d'une manière très très intelligente l'arrivée, il y a coopérant, je vais dire ici, coopération militaire avec le russe. Hein? Il manœuvre intelligemment, nous savons tous très bien que ma service secret français cadré, il va payer Ouana. Et ça, il y a tout le monde. Notamment, Anissé Georges de Loguélé Oyo, qui a toujours été dans ma salle coup, ce type-là. Il a toujours été là, parce que c'est l'homme de français, là-bas. C'est l'homme de français. Mais, lorsqu'il arrive au pouvoir, il manœuvre pour que partage, c'est-à-dire richesse, il y a beaucoup d'années, notamment le diamant, et ça va contrôler par le seul français. Il fait en sorte de faire entrer dans le jeu, dans le système, le russe. Oh, vous savez très bien que partout où Poutine passe, l'ordre règne. Partout où Poutine arrive, hein, le mode de jeu change. Et ce qui vient de se passer dans Centrafrique aujourd'hui. La France, voyant maintenant qu'elle est en train de perdre son influence dans Centrafrique, a bimissi et les manaillés Oyo Azalaki n'a froid quelque part, qui est la réserve, Bozizé. Bozizé, qui a toujours été, qui a d'ailleurs, vous savez, comment il a fui ses pays, rebelle, Djoto Diamouda, Kimisa qui est d'abord, il a fui, son fils a fui même dans Kinshasa, et puis il a été caché même par Joseph Kabila, et puis, et lui, le père, il a été, je crois, dans Cameroun, tout ça. Mais on l'a laissé venir déposer sa candidature. Il dépose sa candidature rejetée parce que l'homme avait beaucoup de casseroles. Mais tout ça arrive à plein pas français. Pour empêcher Faustin Archange, tu diras, de réussir ce qu'il est en train de réussir.
Voilà quand des hommes politiques basali suffisamment matures et intelligents et basant dans ma vision. Les dernières élections, très chers compatriotes, mais que la France, naturellement, veut présenter aujourd'hui comme étant que Ezalagi mal organisé parce que tout le peuple centrafricain n'a pas voté, alors qu'une partie à territoire Ezalagi contrôlée par François Bozizé, qui est l'homme des Français, la France ici joue un double jeu. Il montre au président Touadéra comme si Bazoul n'a pas trouvé la solution à un problème il y a Centrafrique, mais en soutenant Nassé et Bozizé pour la renverser. Bozizé a tenté une fois de faire un coup d'État qui a échoué, toujours dans le soutien des Français, très chers compatriotes. Et ici, aujourd'hui, les élections, ont eu lieu et tout le monde reconnaît que l'élection est Salamaki, même les diplomates au Bazalaïkouna pour contrôler le déroulement de l'élection. Personne ne peut dire quoi que ce soit concernant la probité ou bien l'exactitude, ou bien ici je cherche un mot ici, ou bien ce qui m'a élection qui déroulait très bien ou pas. Je peux dire que les élections américaines n'étaient pas non plus bien déroulées, mais elles mieux déroulées dès que l'élection est tout ça dans la Centrafrique. Encore au moins l'élection est Salami, la Côte d'Ivoire, et Zalagi très bien déroulée dès que tout ça dans la Centrafrique. Et cet homme a remporté les élections malgré tout ce que la France a essayé de mettre comme bâton dans les roues. Pourquoi? Parce que Poutine et le Russe sont venus. Maintenant, le Français dit que non, vous voulez maintenant laisser les Russes, ils vont profiter de vos richesses, tout ça, s'accaparer de vos richesses. Mais lorsque le Français pillait les richesses de ce pays, personne ne disait. C'était très bien. Ouais, la transparence, merci Christian Sauzet. Mais l'élection est Salamaki avec transparence, merci bien. Lorsque le Français pillait le diamant, le richesse, il y a Mbokawana, ça arrangeait tout le monde, personne ne disait. Mais les richesses de pays et de tout le pays, et Salaman pour que aider pays où on a décollé, ce qui est à Monique, il faut pour que Bakoka, qu'on réussisse. Ce que le Burundi également a fait. Je vous rappelle ici que le Burundi également, hein, si on n'a pas réussi à renverser l'ancien président burundais qui nous a quittés par le coronavirus, c'est grâce également à Barus. Grâce à Barus. Je ne suis pas ici en train de vous dire que les Russes ne sont pas chez nous. Naturellement, les Russes sont chez nous. Kabila joue aussi avec des Russes et des Chinois. Voilà là où j'ai pris volontairement dossier à Centrafrique pour la relatif à que la politique, c'est quelque chose, il faut Ezala, dirigé par des gens qui aiment fondamentalement leur pays. Pas ceux qui viennent seulement pour profiter des richesses de ce pays-là. Parce que cet homme peut, je parle de cet homme, c'est-à-dire de Faustin Archange Touadéra, peut accepter l'offre de Français, et bien au fond, là, il compte la France, on a tout le président, il y a la zone, il y a le pays où la France a contrôlé la Rakuna, au fond, là, il compte, verser millions, sachant très bien que, on retirera la France, une fois, il y a renversé, l'argent est remis à la France, mais il n'a pas accepté cela, parce qu'il aime fondamentalement ce pays, et il est en train de réussir un coup que tout le monde applaudit aujourd'hui parce que la France est en train d'échouer à plate couture avec son homme qui est François Bozizé. Voilà pourquoi je dis ici que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, hein, je peux dire que on voit le bout de tunnel parce que ici, cet homme est déterminé. Il est déterminé et je pense que niveau et à commune en gros, ça devient maintenant difficile par la France maintenant de récupérer la situation si ce n'est que Yako coopérer naïe, accepter tout simplement que non, les carottes sont cuites et la messe est dite et les jeux sont faits. Donc
l'Afrique est capable de sortir de la situation où il y a des alliés parce que nous avons dans ces pays-là encore des gens qui aiment ces pays, ces continents, pardon. Nous avons dans ces continents des gens qui aiment ces continents. Et je dis ici que s'il n'a pas été renversé par ces coups d'État, parce qu'il y a eu des soldats russes qui l'ont aidé, mais également il y a une chose que je n'ai jamais dit, mais je dois reconnaître l'honnêteté intellectuelle, m'oblige à reconnaître cela. C'est parce qu'il y a l'apport des soldats rwandais également ici. N'oubliez pas qu'en Centrafrique, il y a des soldats rwandais qui veillent également sur lui. Sur ce plan-là, je ne peux qu'être d'accord. Le Rwanda joue ici la carte panafricaine de sauver naturellement un compatriote. Je ne peux qu'être d'accord. Mais je ne suis pas d'accord avec Paul Kagame quand il nous tue, quand il pille notre pays. Là, je ne suis pas d'accord. Mais ce que Paul Kagame est en train d'accomplir avec le président Faustin Archange, je dois dire en Centrafrique, en tout cas, tous les Africains ne peuvent qu'applaudir cela. Parce que aujourd'hui, si Monsieur Touadéra est toujours au pouvoir dans son pays, c'est grâce également à des militaires rwandais qui sont là pour veiller à la sécurité, pour veiller que la France ne récupère pas la situation. Et les Russes également. Ça, c'est l'unique chose que je trouve de positif avec Paul Kagame et les Rwandais. Mais en dehors de ça, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, ce qu'il fait chez nous. Mais je constate également que ce qu'il fait chez nous, d'autres pays africains applaudissent également. Ils ne trouvent pas d'inconvénient à ce que Kagame pille les richesses de notre pays. Des jeunes Africains, vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment Kagame et Azali insensé, il est vu comme un grand dirigeant en Afrique. Mais les jeunes gens-là sont au Tchéli Bamba fait que ces messieurs que vous voyez qui est un grand dirigeant, il est en train d'exterminer les Congolais, Banine et tout ça, mais les gens s'en foutent. Hein. Donc pour dire ici que si vous avez vos problèmes, l'autre Afrique, les autres, ça ne les intéresse pas, les échecs. Ils ne voient que de réussite. Peu importe la façon dont réussite on a vu dans vos alliés, Kosoyango, notamment parlant ici de Paul Kagame, ce qu'il est en train d'accomplir dans Centrafrique, je ne peux qu'applaudir cela. Et surtout la vision, pour la première fois depuis plus de 60 ans, ce pays est allé échapper à contrôle maintenant à France. Parce que dans les jours qui viennent, Togo Lamouka, je ne serai pas surpris d'apprendre que François Bozizé a été tué. Parce que maintenant l'homme vit sa survie maintenant. L'homme a retranché. On nous signale ici qu'il déplace sans arrêt partout. Hein. Il ne reste plus sur place parce qu'il sait très bien qu'il est maintenant traqué ici par des agents russes et des agents rwandais dans la poursuite naïve. Je ne serais pas surpris d'apprendre dans les jours qui viennent que. Et la France maintenant, voyant que PCM mission et qu'il a échoué. Et puis si Mokanda va livrer, va liquider. C'est comme ça que ma pays Oyo fonctionnera. Une fois qu'on vous donne une mission et que vous échouez, on vous liquide. Vous n'apportez plus rien, on n'a plus besoin de vous. Donc, très chers compatriotes, croisez les doigts, hein, touchez le bois, pour que la Centrafrique, pour une fois, sorte de la difficulté Oyo français Tiers Kabango. Oyo la France, gouvernement respectif, il y a France et Tchabango. Parce que ce qui se passe dans ces pays-là, et ça n'a pas répercussion directe dans le Canabiso. Parce que le réfugié, né derrière les Awana, Mingi m'a traversé Rivière et Maïo et Mene traversé Kabola Biso Nabango. Beaucoup se sont noyés, hein? Beaucoup sont dans le Congo, de l'autre côté dans le Congo. Dans la forêt, la bisseau pour s'échapper. Donc, nous ne pouvons que compatir et souhaiter ici que, hein, que le président Faustin Archange Touadéra, gagne haut la main confrontation avec la France. Ici, parce qu'il s'agit de la France qui veut à ce que ce pays reste dans la ténèbre. Je terminerai, très chers compatriotes, dans un dossier, dans divers, les alliés, occupation, il y a
Capitole par le partisan et à Donald Trump. On a tous vu, le mercredi passé, hein, Trump faire un discours où il demande à ses partisans d'aller dans le Capitole pour empêcher que le député ou le sénateur proclame les gagnants de l'élection. Arrivé là-bas, on a vu ce qu'on a vu. Et ça a même dépassé Trump. Première puissance mondiale, quand se comporte comme ça, qui est partisan aillé, avec une facilité étonnante qui a surpris tout le monde ici, de voir comment est-ce que ces gens ont pu pénétrer le sein de saint. Ils ont immortalisé cela avec des appareils téléphoniques et ainsi de suite, nous avons vu. Mais ce qui est grave, il y a des leçons à retenir ici dans ce que nous avons vu. Trump est-il fou? Je ne crois pas. Il n'est pas fou. Quand il dit qu'il a gagné des élections, il n'est pas fou. Et je crois personnellement qu'il a gagné ces élections-là. Mais ce qui se passe, à chaque fois que lui vient avec de preuves pour prouver qu'il a gagné des élections, les autres n'ouvrent même pas ma preuve, voilà. Directement, on déclare ça. Ça dit qu'on jette ça à la poubelle. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est le début de quelque chose. Surtout, le premier président de le pays le plus puissant au monde soit traité comme un va-nu-pied, comme un voyou, c'est-à-dire le dirigeant, il y a Gafa ou un autre, ça, le pouvoir, Gafa, c'est-à-dire Facebook, non, on commence Amazon, ça veut dire Amazon, Facebook, Twitter, tous. Toi, quatre ou un, au bas, on contrôlait les réseaux sociaux. Quel est le pouvoir de cet homme qui a décidé de bloquer le compte Twitter du président des États-Unis, le président le plus puissant? Quel est son pouvoir? Est-ce que c'est ça la démocratie, ça? On nous dit que empêcher parce que il va encore donner d'ordre ordre à Batunaye. Mais depuis qu'il est là, 4 ans et en gros, il ne fait qu'utiliser ces moyens-là. Il fallait l'empêcher bien avant. Mais pourquoi le faire maintenant? C'est un grand débat, très chers compatriotes. Il y a ma réduction, il y a ma liberté au Ezaliko, Kosalama, actuellement, les États-Unis. C'est-à-dire, recul, il y a démocratie dans le niveau où ça va la tête. C'est-à-dire qu'on empêche un homme de s'exprimer. Je considère cette situation comme étant on vous neutralise, c'est-à-dire vous êtes neutralisé, pieds et poings liés, et qu'on laisse les autres vous frapper. Vous n'avez pas la possibilité de vous défendre. Telle est la situation au Yo, isolé Canada, États-Unis. Première puissance mondiale. Trump a sali erreur. Moko, c'était d'envoyer ses partisans d'aller occuper, parce qu'il a fait ça. Moi, j'avais suivi ça en direct, d'aller occuper le Capitole. Parce que tout ce qui s'est passé par la suite, c'est lui le responsable. Ça, c'est l'erreur qu'il a commise. Et cette erreur-là épaissit possibilité, opportunité, naba oyo ba détracteur naye, ya ko s'engouffrer dans l'unique occasion oyo et zalaki pour la ba attaquer ya ngoana. Maintenant, ba zo traité de fou. Mais il n'est pas fou, très cher compatriote. Il est tout sauf fou. Mais le problème, c'est que le force en présence, et zalaki, diablement supérieur, Naïe. Et l'autre leçon à tirer ici,
et que on vient d'avoir en direct preuve par quatre que le peuple n'a plus le pouvoir. Parce que Trump pensait que le peuple va voter qui va soutenir hier. Parce qu'il avait un compte de 80 millions d'abonnés. Obazo Landaye. Et bah sympathisant à Ebazaï Belo Bafotaki. Trump pensait que il suffisait d'avoir le peuple avec vous pour être proclamé président des États-Unis. Il s'est rendu compte ici que c'était une erreur. Ça ne suffit pas. C'est ce que nous avons également appris ensemble avec vous. Aujourd'hui, le peuple n'a plus le pouvoir. Le pouvoir est ailleurs. Le pouvoir est contrôlé par ceux qu'on appelle ici des décideurs. Et ces décideurs sont un conglomérat, pour paraphraser Laurent Désiré Kabila, un conglomérat, il y a Batou, Bazanaba, intérêt moko convergent. Et grave surtout, et ça dit que aujourd'hui nous ne pouvons plus dire que le peuple européen a le pouvoir. C'est terminé. Le pouvoir est contrôlé aujourd'hui par le multinational. Le multinational, c'est eux qui décident où ils vont commencer la guerre, quel est le pays qui sera le prochain sur la liste. C'est eux qui vous donnent le boulot et c'est eux qui ont le pouvoir. Parce que les multinationales, en pillant par exemple le pays comme nos pays à nous, la République démocratique du Congo, avec Coltan, Banini, tout ça, ils ont gagné suffisamment d'argent ici, des milliards et des milliards. Et c'est le peuple européen qui profite également de la retombée économique, c'est-à-dire la création d'emplois Oyo, la multinationale va se créer. Et le peuple n'a plus le pouvoir. On vous dit maintenant, taisez-vous, consommez et taisez-vous. Donc, c'est le même pacte que les Chinois ont signé avec Deng Xiaoping. Voilà, Deng Xiaoping, lorsque Deng Xiaoping a signé un pacte avec les Chinois, consommez et la politique ne vous intéressez pas. Et enrichissez-vous. C'est aujourd'hui... C'est ce qui est arrivé aujourd'hui en Europe avec ce qui se passe aux États-Unis. Le peuple n'a plus le pouvoir. Nous avons vu cela. Ceux qui ont le pouvoir sont tapis dans l'ombre. Ceux qui ont le pouvoir contrôlent les multinationales. Et ils sont extrêmement puissants. Trump en a fait vraiment à Benaga la meilleure expérience ici. L'autre... laissons attirer les amis que l'Europe a vu, le monde a vu comment le populiste ce Moussakanina Bango place Baza capable de Rome Mabino. C'est-à-dire ici aujourd'hui, vous devez savoir que tout le parti populiste de l'Europe tremble dans leur Nabango, fondement Nabango. Marine Le Pen en France, je parle de Front National en France, je parle la partie na Autriche, na Hongrie, même na Brésil avec Bolsonaro. Tous ces pays-là, maintenant, on a sifflé la fin de la partie à bas populiste. C'est terminé parce qu'on a vu de quoi ils sont capables, que les populistes sont capables. Ils vont renverser les choses. C'est terminé. Vous allez voir tranquillement qu'ils vont changer maintenant. Parce qu'on laisse faire. Hein. Quand ça a l'air sert des intérêts d'Abambo, ils laissent, proliférer ma partie extrémiste rwanda et ma populiste. Mais maintenant qu'ils ont vu cela, c'est que Trump a rendu un mauvais service dans ma partie populiste, mieux sûr, les alliés en Europe. Ah ouais. Bientôt, nous allons connaître la fin à ma partie, Wana, parce qu'ils ont fait trembler le monde. Ces gens-là, d'ailleurs, ils ont dit, vous êtes certains qu'ils ont dit, que le jour où il y a intronisation, il y a Biden, ils vont venir, cette fois-ci, ils seront armés.
Cette fois-ci, ils seront armés. C'est ce qu'ils ont dit. Ben, je pense que, ça, là, ils l'ont broté parce que ils ont tiré des leçons par rapport, il y a eu les cas du mercredi. Ils vont renforcer la sécurité maintenant. L'armée va venir maintenant sécuriser ce qui va se passer là. Mais, dernière leçon, les amis, que pour manifester aux États-Unis, il vaut mieux être blanc que noir. Parce que je suis convaincu que si c'était des manifestants, il y a Black Lives Matter, Basalagi Obasse et les Kiwanana, dans Capitole, ces jours-là, il n'y aurait pas eu 4 ou 5 morts que nous déplorons. Un mort, c'est un mort de trop. Mais il y aurait eu un bain de sang dans le niveau de Rosaravate. Dans le niveau de Rosaravate. C'est-à-dire que l'armée aurait, je vous dis, massacré. Il n'y a pas un autre mot. Massacré. Donc, nous avons tous assisté à un privilège d'être blanc dans les États-Unis. Il y a un privilège d'être blanc. Si vous voulez manifester, il vaut mieux être blanc que noir. Et je suis content que c'est là. Et ça l'a mis, mon kili, mon mima, mon liamo, parce qu'on ne peut plus tromper les gens. Et qu'aujourd'hui, on a compris également que la fragilité de la démocratie, c'est-à-dire, démocratie, Nenge Churchill avait dit, je terminerai par là, jusqu'à preuve du contraire, c'est le meilleur système qui existe. J'ai dit, ça montre maintenant limite na yango. Limite, il y a démocratie yango ana. Donc, rien n'est encore gagné, même dans un pays démocratique autovani, rien n'est encore gagné. Et je pense également ici, peut-être la dernière leçon à tirer, les alliés, que ne jamais sous-estimer le force en présence na yo, ni surestimer, ni sous-estimer. L'erreur de Trump, je crois, qu'il a sous-estimé le force et la détermination Yahweh Bazalagi en face d'Aïe. Et ils étaient déterminés maintenant à supposer que, à partir de demain, quand ici, il y a impeachment. Or, nous savons qu'on peut laisser cela. Il lui reste seulement 10 jours pour terminer. Mais le but, ce n'est pas cela. C'est de l'humilier et qu'il faut qu'il entre dans l'histoire comme étant le président qui a été destitué. C'est là le but. Et en plus, ce qui compte, non seulement qu'il entre dans l'histoire, dans la petite porte, mais surtout des procès qui vont suivre. Parce qu'il faut maintenant avoir un traitement par rapport à Trump pour effrayer tous les autres qui vont considérer Trump comme étant un modèle. Pour que quiconque qui oserait même imaginer faire ce que Trump a. Donc, l'idée ne serait-ce que Wana et Zalanponavie et puis ça est insomnie. Nous assisterons dans les jours qui viennent après, s'ils arrivaient à redestituer, mais en tout cas, après de part naïe, la présidence des États-Unis, nous assisterons à un procès. Et que lui également, il a lâché ses partisans en race campagne. Maintenant, des gens qu'on a arrêtés maintenant, qu'on accuse maintenant là-bas, il y a la sédition. Ils encourent 20 ans de prison pour certains. Mais Trump ne sera pas là pour l'en aider. Bango. Moralité, très cher compatriote ici. Cela vaut également pour Fayulu. Cela vaut également pour Fayulu. Parce que Fayulu aussi connaît la même situation. Le force maintenant. Oyo Balacheye. Il faut se préserver surtout pour la prochaine échéance. C'est ce que Trump devait faire. Parce qu'il était presque le président de l'opposition, le chef de l'opposition.
Il devait se préserver pour la futures élections. Maintenant, on va tout faire maintenant pour l'écarter définitivement. Et c'est pour cela qu'il s'acharnerait que bah destituer pour Azala Sous la possibilité à Ozongaté. C'est-à-dire un président qui est destitué, déjà, légalement, vous n'avez plus la capacité. La loi ne vous autorise plus. Il y a quoi, ça, la comeback, c'est terminé pour vous. Donc, là, je pense que ces gens-là ont reçu un coup de, ont réussi un coup de maître. C'est en 2018 déjà. Mark Zuckerberg est venu voir Sarkozy pour voir, essayer de voir comment est-ce que bon, il faut bah, réduire l'influence il y a bah, réseaux sociaux. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Donc la démocratie a connu un jour sombre dans ce qui s'est passé dans Bora, dans les États-Unis, avec surtout le blocage il y a compte Twitter et il y a Trump. Ça c'est. Et d'ailleurs, je suis dans les terrible... États-Unis, bah, débat et assomment sur ça. Même ceux qui ont sont pas d'accord avec Trump, mais bah, ça d'accord, t'es la façon dont on a reprocédé. Misèlement total. Donc, je viens de vous donner l'exemple ici. C'est comme quelqu'un au Bokangie, ma Koul, Bokangie, ma Boko, Moutoumsoa, Zobeta, il y a la possibilité de répondre. Cela veut dire que Moutoumsoa, Bokangie, il y a la force paix. Et on s'en va bien. Parce que ce sont vos tiquillés. À répliquer, il va faire mal. Voilà. C'est très triste. Mais on a compris une chose que on crie démocratie quand les alliés n'ont pas intérêt dans l'ango, quand leurs intérêts sont menacés, là-bas, là maintenant, il n'y a plus de place pour la démocratie. Là, on applique ce qu'on appelle le droit de la force et non la force du droit. Merci très chers compatriotes de rester jusqu'à à la fin, suivre ce live, partager cette vidéo, abonnez-vous à mon compte YouTube Willy Lokasa, booster en haut, booster en haut, pour la banalise d'Abisso. Et ça l'a été suivi par un grand nombre de personnes, va suivre l'analyse d'Abisso. Et ça l'a été analysé de mots superficiels. On a besoin également, il y a profiter de l'analyse d'Abisso. Nous n'avons que, comme Congo, hein, allié la M. Zaga à Congo. Quiconque qui est avec le Congo, tout ça n'aille. C'est lui qui est contre le Congo, ça. Tout ça contraire. Voilà pourquoi, hein, ce travail qui est un travail non rémunéré, mais nous le faisons par l'amour de notre pays. Parce que nous aimons notre pays, parce qu'il n'y a que nous, les Congolais, qui avons ça à travailler. Voilà. Hein? Pas que nos enfants de même avec Sabiso, ok. Qu'avez-vous fait alors que les autres, hein, cherchaient à vous ravir le pays, à vous occuper, vous avez fait quoi? Nous, on va se dire que non, on s'est battu, selon nos moyens, selon nos capacités, et selon également nos compétences. On s'est battu, bah, Congolais, bah, ça seul. Personne ne peut dire que bah, Congolais, bah, Tikamour à la Banga, mais non. Pendant plus de 20 ans, les Congolais se battent, mais comme c'est un grand complot mondialisé, Nous combattons en face de nous, mais en bateau, madame a cassé à Rosaranate. Mais nous arrivons de temps en temps également à gagner ma bataille. Nous ne gagnons pas la guerre totalement, mais ma bataille également tu gagneras. Sinon, tes Kabila pouvaient rester encore là aujourd'hui. Sinon, tes Kabila resteraient toujours là. C'est la preuve que nous avons gagné des batailles. Sinon, tes lorsque Kabila a perdu les élections, allait imposer son homme lige, son dauphin, mais une fois qu'il n'a pas réussi à imposer le dauphin aïe, qu'il a recouru dans Félix Tshisekedi, nous considérons cela comme étant victoire mourue à bataille. C'est-à-dire qu'il avait peur que, en imposant Chadari,
que le pays implose, qui va perdre Nyoso. Voilà, très chers compatriotes, partout où vous vous trouvez, vraiment, partagez la vidéo, intervenez dans ma débat, prononcez-vous, engagez-vous, engagez-vous, c'est très important, c'est votre pays. Ma maman surtout, Nga Mikolo, je prêche surtout pour nos mamans. Prenez la relève, ma maman. Bon, méritez, vous méritez. Nous, les hommes congolais, nous avons échoué. Nous avons partisé avec l'ennemi. Nous vous avons abandonné. Nous vous avons lâché. Namabo, il y avait l'ennemi. Le revenu, je pense que ma maman, il faut pas avoir élève là. Parce que ma maman, ce qui va jouer, il va emprunte, il y a ma maman, Bazalina Bolingo. C'est pas comme nous. Nous, les hommes, nous sommes beaucoup plus des sauvages, des fois. Maman, Azana Bolingo. Talaga, papa, so razu, moi, si mon repemène. A Kantara même, d'aouté. Mais maman, Aza so razu, l'ikam, on a eu mon rebanda, mais Azo, aux embons, on a pas allé sa bananaï. Mais père, bon, on y a eu dépensé dans l'ikam, on y banda. Vous voyez? Ça, c'est ça. Bon, merci beaucoup, très chers compatriotes. Bon, comment dirais-je, demain, ce lundi, c'est le travail. Bon début à semaine partout où vous vous trouvez. Restons positifs, restons vigilants, surtout, ouvre l'œil, mais le bon, le combat continue. Combat continue et doit continuer. Combat continue et doit continuer. Ce n'est que comme ça que nous pouvons un jour quitter cette terre des hommes en disant que je fais ma part. Merci à vous, merci Christian Sauzé. Rapidement, je vais vous saluer. J'ai pas eu le temps de vous saluer. Christian Sauzé, Odimba Odimba, Efoko Bokungu, Songe Yambeli, Abdela Artambou, Nzola Luindula, Gisèle Mujintal, qui encore est là. Marie-Sylvie Donja, Eric BMK, Fumwa Kongo Mwanda Nituvila, merci Thierry Bassosa, merci Janosa Masama, merci Sumbunkanga Esaïe Colonel, merci Mireille Ngatwanga, merci Mimi Mujinga Label, merci Onyx Loabeya Kalala, merci Nkura Henri Tanzei, merci Joséphine Bassaoula, merci Stan de Stan RDC, merci Jean-Claude Tessorini, merci Patrick Joseph Mbandou, merci Isa Nguakoto, merci Cruz Jonathan, merci Jonathan, merci Cruz Ferdinand Toutala Kimbembi, merci et merci Suleiman Mawila. Merci très chers compatriotes. Bon dimanche à vous et à la prochaine. Merci à vous. Nous assure ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Ordre de Nani Rwandais. Sur le boyou qui n'a joué sur Rwandais, l'oubli, n'a pas de la roulotte, c'est Aza, qui a fait la roulotte.
allez me dire ça. Allô, y'a Mokende. Allô, y'a Mokende. Allô, y'a Mokende. C'était un Rwandais. Je voudrais voir ce gouverneur venir m'empêcher de faire mon meeting là-bas. Peut-être qu'il n'y aura pas de visitants, hein. Vous allez voir. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des débordements? S'il a interdit, ça risque de chauffer, non? Qui a interdit ça? Le gouverneur. Et qu'est-ce qu'il représente, ce gouverneur là? Je vous dis déjà que son chef est un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali, Là, ce n'est pas ici son chef de ce fameux gouverneur là. I know that for many it's hard to accept, but I'd like to sincerely pay tribute to Joseph Kabila, President of the Republic. Today, we should no longer consider him as an adversary, but more as a partner in the democratic change in power in our country.